Ok, alors bonjour à toi. Aujourd'hui, on va faire un beat trap type Niska. Ok. Alors, le drum kit que nous allons utiliser principalement, c'est le drum kit Afrotrap Pro, disponible dans le lien dans la description. Tu cliques le lien, tu pourras le télécharger gratuitement. Le drum kit, il est offert. Ok. Nous commençons par créer la pattern kick. Voilà. Une pattern kick, on la dépose là. Ok, maintenant que nous avons déposé notre pattern kick ici, on va renommer ce track-ci. On fait un clic droit, rename, on dit kick. Voilà, maintenant on s'en va dans le drum kit et on va chercher le dossier keep. Voilà, je vais prendre ce kick-ci, clic droit, open a new channel. Voilà, maintenant je peux m'amuser à déposer un peu les kicks sur. Alors, comme premier conseil, quand tu viens de commencer, active toujours. Comme premier conseil, au début de ta composition, commence toujours par activer le métronome. Il va te permettre de pouvoir repérer le tempo dans lequel tu te trouves. Ok, on va créer une pattern, on va dire clap. Voilà, clap. Ensuite, on renomme ce track-ci, on dit clap. Voilà. Maintenant, on s'en va dans le dossier clap de notre toolkit. On va prendre ce clap-ci, open a new channel. Voilà. Piano roll. Pose la pattern ici. Ok, on va créer une pattern snare. Voilà. Je dépose ça ici. Je renomme ce track-ci. Il dit tout simplement snare. Voilà. Je m'en vais chercher un snare ici. Dans le dossier snare, je vais prendre ce snare-ci. Voilà. Ok, maintenant on peut s'amuser un peu à prolonger le kick ou les différentes patterns. Les différentes patterns. Voilà. La pattern clap. Ensuite, je m'en vais sur le snare.
Ensuite, j'ai fait ça tout simplement, ça me permet de pouvoir avoir une tonalité montante de mes snares. Et aussi, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour pouvoir avoir la possibilité de déposer tes notes sans avoir de soucis de ligne, il faut que tu actives ici dans Snap, que tu viens ici dans Node. Voilà, une fois que c'est activé, tu peux déposer tes notes n'importe où sans avoir à respecter les différentes lignes. Ok, là on va mettre quelques petits roulements de hi-hat. Voilà. On va dans le dossier percussion. On prend ces hi-hats-ci. Open a new channel. Je crée une pattern hi-hat. Voilà. Onim. Je dis tout simplement hi-hat. Piano roll. Voilà, tout simplement, je vais dupliquer ça. Voilà. OK. Maintenant, ici, je vais descendre un peu. Voilà. Ok, maintenant on peut s'amuser à ajouter un peu quelques percussions, comme des petites tambourines. Percussions, voilà. Track, on va dire percussions. Voilà. Voilà, je vais prendre ce crash-ci. Je vais créer une pattern crash, tout simplement. Voilà. Je la dépose là. Je renomme le track. Je dis crash. Voilà. Je dépose ça ici. Thank you.
Ok, là on va faire rapidement une petite mélodie. On a la possibilité de pouvoir ouvrir. Prenons voir ce FL key. Voilà. Voilà. Je renomme ce track-ci. Je dis mélodie principale. Voilà. Mélodie. Ensuite, je dépose ça ici. Ok, pour travailler, je vais devoir tuer le kick. Peut-être aussi les hi-hats. Voilà. Piano roll, FL key. Et maintenant, je vais jouer quelques accords de mélodie. Je vois qu'ici j'ai une note en F5. Je descends d'une octave. Ok, on va essayer de savoir. Je baisse la vélocité de l'instrument. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de dupliquer rapidement ces premières notes-ci. On dirait qu'il n'a pas sélectionné une note. Voilà, duplicate. Ok, maintenant, je m'en vais ici. Voilà.
Ok, là, j'enlève la sélection. Ok, maintenant, je vais essayer de travailler un peu la mélodie. Je m'en vais dans le mixeur. Sélectionne. Voilà. Link Insert to this tunnel. Je mets un paramétrique. Je vais soulever légèrement la zone des aigus. Voilà. Ensuite, je mets de la reverb. Voilà, j'agrandis la zone d'action. Voilà, j'augmente légèrement la reverb et je baisse légèrement le volume. Maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre du delay bank, c'est-à-dire en quelque sorte l'écho. Voilà, je le monte ici jusqu'à 4, tout simplement. Ensuite, je baisse correctement le volume. Voilà. Ok, assez rapidement, on peut commencer à ajouter quelques petits effets, c'est-à-dire comme ça par exemple, on crée une pattern, on dit rapidement effet. Voilà, je le nom de ce track, je dis SFX. Voilà, là ici, qu'est-ce que je peux faire? Et maintenant, généralement, qu'est-ce que je fais? Je coupe le SFX avec une note, mais je baisse toute la tonalité. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit ajouter une brasse au début. Moi, je vais utiliser maintenant le plugin appelé Purity. J'offre ce plugin à tous ceux qui suivent des programmes accélérés chez moi. Voilà. Ok. Je m'en vais dans Fast. Je m'en vais dans Fast Synth. Je prends Big Anabrass. Voilà. Je crée une pattern brasse. Tout simplement, voilà, je renomme ce track-ci et du brass. Ok, thank you.
Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut ajouter les 808 basses américaines. On va dire 808. Voilà. Ok. Toujours dans mon pack. Je prends cette 808 ici. Aussi, ce que j'ai oublié même, on peut ajouter des chants. Voilà. On va dire une patine chant simplement. Ensuite, je renomme ce track qui lui dit tout simplement chant. Ok. Ce que tu peux faire aussi pour tes voix, c'est de venir dans le mixeur, insérer, mettre un paramétrique, augmenter l'aigu et aussi augmenter peut-être la reverb. Mais tu baisses considérablement, faut pas que ça soit aussi exagéré. Ensuite, tu peux mettre un delay bank pour accentuer un peu tes chants. Voilà, je baisse complètement le volume. Maintenant, on va mettre des 808. On crée une pattern 808. Voilà. On la dépose sur le track 808. La 808 va commencer à partir d'ici. Voilà. Vais mettre là. Dans F5. Je vais slider cette note-ci, mais avant ça, il faut que je mette. Je baisse complètement le volume. Enlève le slide. Voilà. Thank you.
Maintenant, je crois que c'est tout. Après, il y a la petite structure. Ici, par exemple, au début, on peut cloner cette pattern-ci. On dépose ça là. Et ensuite, au début, généralement, on va tuer ça, les notes d'accord. On va, la mélodie va jouer toute seule. Ok, c'est tout pour ce tutoriel. Si tu es un passionné du beatmaking, je t'offre une autre formation dans la trap musique. Avec cette autre formation, tu vas pouvoir avoir des bases solides vraiment pour faire tes beat trap. C'est totalement offert et c'est gratuit. T'as qu'à cliquer dans le lien dans la description. Du coup, on se prend sur mon site, on se prend de l'autre côté. Ciao, ciao.